תודה רבה. על הרצאה מרתקת. אנחנו ניקח את השאלות בסוף ביחס לשתי ההרצאות, והדובר השני במושב שלנו הוא פרופסור פייר קלו, שהוא פרופסור לספרות בסורבון. הוא הרבה לכתוב על הרומן הצרפתי במאה ה-19, והספרים ה... רבים שלו עוסקים בפנורמה של כותבים, ובהם מרימה, מירבו, ליאון בלוי, והוא העניק לנו גם הוצאה, שורה של הוצאות, מהדורות מוארות של רומנים חשובים, בין ספריו נובל דה מרימה. ב-2010 כמדומני התפרסם הז'ורנל דון פאם דה שומברה, שעליו הוא גם ידבר היום בהרצאה שלו, והוא ערך גם קובץ מיוחד שהוקדש למירבו, רומנסייר, דרמטורג קריטיק. נושא ההרצאה שלו היום הוא הנוכחות האלגורית של פרשת דרייפוס בגן העינויים ויומנה של משרתת. Avant de commencer, je voudrais à mon tour remercier nos collègues du département d'études françaises, je l'ai mis là, de la faculté de sciences humaines. Je l'ai pas mis comme il faut. Nos collègues du département d'études françaises, de la faculté des sciences humaines et puis du centre Cantor de nous avoir invités et de leur accueil extrêmement sympathique. Je vais parler de deux romans d'Octave Mirbeau. Octave Mirbeau qui, trois jours après la publication du J'accuse de Zola dans l'Aurore, en janvier 1998, décide de s'engager et qui ne cessera de se déployer en faveur de Dreyfus jusqu'à sa réhabilitation. Et il le fera de multiples manières, dont en particulier l'écriture, par la publication de ces deux romans que sont le Jardin des supplices, qu'il publie en juin 1899, alors que le procès de Rennes va s'ouvrir, et le Journal d'une femme de chambre qu'il publie en juillet 1900. Apparemment, ces romans n'ont pas de rapport direct avec l'affaire, puisque le Jardin des supplices raconte l'histoire d'un homme chassé par des scandales de Paris, qui prend un bateau pour l'Orient, qui sur le bateau rencontre une mystérieuse Anglaise, qui s'amourache d'elle et qui va la suivre en Chine, où elle va l'initier au bagne de Canton, dont elle est une spectatrice qui cherche un certain plaisir dans la représentation des supplices auquel on y assiste. Alors, c'est un curieux sujet qui semble ne pas avoir de rapport direct avec l'affaire Dreyfus, comme le Journal d'une femme de chambre qui raconte
la vie d'une chambrière prénommée Célestine qui passe de maître en maître, ce qui permet de découvrir au fond les intérieurs bourgeois aux alentours de l'année 1900, hein, dans cette France de la Belle Époque. Or, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que ces deux romans sont une allégorie de la France au moment de l'affaire. Mirbeau, d'ailleurs, pour qu'on le comprenne bien, n'a cessé de les corriger de façon à y intégrer des allusions à l'affaire. Et sous un premier aspect, ils prennent, ces deux romans, l'allure d'une diatribe. En effet, le Jardin des Supplices se présente d'abord, dans son frontispice, comme une conversation sur la violence. Hein, avant que l'histoire ne soit racontée par un des personnages, il y a un débat entre ces personnages qui porte sur la violence. Et un savant darwinien soutient que l'homme a un besoin instinctif de tuer et que ce besoin, il lui trouve des exutoires légaux dans un certain nombre d'activités ou de convictions, l'industrie, le commerce colonial, la guerre et l'antisémitisme. Et un autre personnage prend alors la parole, c'est un philosophe, et il développe à peu près la même thèse en prenant l'exemple de ces fêtes foraines où de bons bourgeois tirent sur des petits personnages en plâtre ou en carton. Et il dit qu'au moment de tirer, nombre de ces personnages vont s'imaginer qu'ils ont un juif en ligne de mire, c'est-à-dire un ennemi imaginaire qu'ils se figureront sous leurs yeux pour attiser leur haine. La satisfaction de se venger de cet ennemi s'ajoutera alors pour eux à l'instinctif plaisir de tuer. Alors cette conversation fait écho à une thèse qu'on trouve souvent sous la plume de Mirbeau, qui est l'idée que la nature est animée de deux forces contraires, une force de création et une force de destruction. Et qu'il ne peut y avoir de création dans la nature sans sa contrepartie de destruction. Et Mirbeau ajoute à cette thèse que ce cycle naturel de vie et de mort peut être perturbé par l'activité sociale. Autrement dit, il y a des institutions qui peuvent déclencher la folie meurtrière des peuples et rompre cet équilibre entre vie et mort. Et le conditionnement idéologique joue un grand rôle dans ce déséquilibre. L'antisémitisme fait partie, comme le fanatisme politique ou religieux, de ces facteurs qui peuvent, dans des sociétés, entraîner une sorte de triomphe de la mort sur la vie qui aboutit à une catastrophe, c'est-à-dire au déchaînement du génie destructeur de l'homme. Le philosophe qu'on voit apparaître dans le Jardin des Supplices ne dit pas autre chose, lui qui prétend que la violence entretenue par la société, est le pivot sur lequel tourne l'ordre social. Et il met en cause l'éducation, la religion, l'armée. Évidemment, dans le contexte de l'affaire, cette mise en cause est loin d'être innocente. On comprend dans ce contexte la dédicace ironique du Jardin des Supplices, hein, livre qui est dédié aux prêtres, aux soldats, aux juges, aux hommes qui éduquent, dirigent, gouvernent les hommes. Donc au seuil du livre, cette dédicace est une sorte de mode d'emploi. Pour le comprendre, hein, pour comprendre ce discours sur la violence, il faut le contextualiser. On a oublié aujourd'hui le climat extraordinaire de violence qui régnait en France à cette époque. J'en donne quelques exemples. Henri Rochefort, journaliste anti-Dreyfusard, lorsqu'il apprend que les magistrats de la Cour de cassation s'apprêtent à déclarer recevable la demande de révision,
propose qu'un tortionnaire coupe à ses juges les paupières et que sur le globe de l'œil, on fixe des araignées venimeuses pour qu'elles leur rongent la prunelle et le cristallin. C'est l'époque aussi où, dans la liste Henri, dont quelqu'un parlait ce matin, les souscripteurs, en guise de signature, accompagnent leurs dons de textes regrettant, par exemple, qu'il n'y ait pas assez de juifs à massacrer, et où ils proposent de les couper en deux pour en faire le double. C'est l'époque enfin où Max Régis, le maire, le futur maire d'Alger, infatigable organisateur de ces pogroms qu'on appelle des youpinades, une fois élu maire d'Alger, prononce ses premiers mots à la foule: « Maintenant, il faut qu'ils crèvent tous ». Alors Mirbeau est effaré par ce climat de violence. Il le dit, je le cite, « Mes oreilles sont obsédées de ces incessants appels à l'assassinat, de ces cris de mort. Ils me poursuivent sans me lâcher. Pour quiconque réfléchit, il y a bien là, dans ces journaux, un état d'esprit particulier et qui n'est autre chose que l'esprit du meurtre. Je trouve cela effrayant, douloureux et absurde, et j'ai perdu le repos. » Et son engagement, notamment ses romans, qui y participent, relève de cette même inquiétude. Et ils vont se transformer en une espèce de grand guignol triste qui vise à produire une sorte d'effroi et de dégoût chez le lecteur pour l'amener à réagir. Dans le journal d'une femme de chambre, les allusions à l'affaire Dreyfus sont également assez nombreuses. Célestine, la femme de chambre, ne sait pas pourquoi elle est antisémite, mais manifeste de l'aversion pour Dreyfus et ses partisans. Elle est une admiratrice de Paul Bourget. Elle trouve du génie à Jules Lemaître, c'est-à-dire à des anti-Dreyfusards. En revanche, elle a refusé de servir chez Laborie, l'avocat de Zola. Et elle se déclare elle-même pour l'armée, pour la patrie, pour la religion et naturellement contre les Juifs. Et elle va devenir l'épouse du jardinier cocher de ses maîtres, qui est un activiste antisémite du nom de Joseph. Donc on voit bien comment Mirbeau, là encore, s'est ingénié à multiplier les allusions à l'affaire. Il le fait un peu différemment dans le journal d'une femme de chambre, qui est un roman dont le sujet n'est plus la violence, contrairement au Jardin des Supplices, mais plutôt le cynisme. Hein, les personnages, et notamment le personnage de Joseph, qui n'a aucune conviction, mais qui est antisémite par intérêt, parce qu'il fait ses affaires avec les prêtres qui lui donnent de l'argent pour distribuer des tracts, et puis parce que cela fait tourner son petit café qui s'appelle « À l'armée française » et qui est fréquenté par les patriotes, et où évidemment on est antisémite, c'est bon pour le commerce, en quelque sorte. Et Mirbeau écrit ce roman en ayant en tête le procès de Rennes et son issue. Hein, je crois qu'il faut mettre le journal d'une femme de chambre en relation avec ce qui s'est passé à Rennes. Hein, c'est-à-dire, au fond, personne ne pouvait ignorer que Dreyfus était innocent. Mais on l'a condamné quand même. Et le cynisme, ça consiste effectivement à aller contre la vérité. Pour d'autres raisons, la haine, la passion antisémite ou nationaliste, par exemple. Et Mirbeau, effectivement, illustre ainsi le cynisme, tel que Vladimir Yankelevitch le définit. Yankelevitch dit très justement qu'être cynique, c'est se faire gloire d'être une canaille. C'est-à-dire adopter la politique du pire en piétinant les valeurs de justice et d'humanité,
c'est de croire, c'est la formule très belle de Yankelevitch, à la fécondité de la catastrophe. C'est avoir l'impudence de faire éclater l'injustice dans l'espoir qu'elle s'annulerait d'elle-même par sa scandaleuse surenchère. Et donc le journal d'une femme de chambre relève lui aussi de cette indignation. Indignation contre cette haine et cette condamnation de l'innocent. Mais les deux romans sont également des allégories. Il faut les comprendre comme des images qui s'interprètent, qui se déchiffrent symboliquement et d'une manière globale. Pour cela, Mirbeau utilise à la fois l'organisation de la fiction, le traitement des personnages et le caractère en particulier des personnages principaux. S'agissant du traitement de la fiction, dans un cas, le Jardin des Supplices, on a affaire à une structure narrative qui est initiatique. Le personnage quitte la France, il rencontre une femme et cette femme est une initiatrice. Elle le conduit dans un jardin où ont lieu d'atroces supplices et elle lui fait découvrir l'envers d'une certaine réalité. Évidemment, cela doit se comprendre comme une allégorie de la découverte du mal universel. Et le narrateur, d'ailleurs, qui raconte sa propre histoire, le dit. L'univers, il le dit à la fin du roman, l'univers m'apparaît comme un immense et inexorable jardin des supplices. Partout du sang, et là où il n'y a plus de vie, partout d'horribles tourmenteurs qui fouillent les chairs, si les os vous retournent la peau avec des faces sinistres de joie. Donc on voit bien comment là le roman allégorise la question du mal. Et il est une réflexion sur le mal à travers une structure initiatique. Dans le journal d'une femme de chambre, la structure est un peu différente. C'est une sorte d'odyssée. Célestine est voyageuse. Elle ne cesse de changer de maître. Elle passe de maître en maître et à chaque fois, c'est la même chose. Les maîtres sont tous pareils, ignobles, vicieux, corrompus, malhonnêtes, tyranniques. Et évidemment, ce martèlement des mêmes situations a un côté didactique. Or, cette malhonnêteté fondamentale, elle, évidemment, elle s'interprète à la lumière de l'affaire Dreyfus. Au gré des expériences de Célestine, eh bien, on découvre un monde sans dessus-dessous, un monde où la norme morale est remplacée par le vice, où les honnêtes gens sont des brigands. On est dans un topos de la satire qui est le monde à l'envers. Ce monde-là est à l'envers. Le cynisme y triomphe et le mensonge d'État y est devenu une vérité. Un autre élément au service de la démonstration allégorique de Mirbeau est le traitement des personnages. Ce sont des personnages qui n'ont pas d'épaisseur psychologique, ce sont des pantins. Des pantins mécaniques qui se réduisent très souvent à une idée. Et une idée qui, en se répétant, est elle aussi, d'une certaine manière, martelée, ce qui a un caractère démonstratif. Tous les personnages du Jardin des Supplices, ils sont nombreux, le savant darwinien, le gentilhomme normand massacreur de paons. Hein, il aime tuer des paons. Bon, très bien, pourquoi pas. Vous avez aussi un explorateur français qui est mangeur de nègres. Bon, pourquoi pas aussi. Un officier anglais qui est l'inventeur de la bâble Doum-Doum, hein, celle qui tue et plus efficacement en faisant beaucoup de dégâts. Vous voyez, et puis il y a le bourreau chinois, hein, celui qui explique avec des raffinements de détails tout l'art qu'il y a à découper sans tuer quelqu'un et en le faisant beaucoup souffrir. On voit bien que tous ces personnages caricaturaux
obéissent à un seul et même type, qui est celui du tourmenteur. Et ils sont tous des apologistes de la cruauté. Donc il y a un certain caractère démonstratif à peupler le roman de personnages qui illustrent tous la même idée, hein, l'idée d'une sorte de joie d'être sadique. Et d'absence de tout sens moral dans l'exercice de cette cruauté. Alors, le récit est émaillé de leurs propos, je vous en cite quelques-uns. Le savant darwinien affirme, par exemple, que le droit des gens... Non, pardon. Il affirme, lui, que le meurtre est la base même de nos institutions sociales et que, par conséquent, la nécessité la plus impérieuse de la vie civilisée est de tuer. L'inventeur de la balle Doum-Doum dit ceci... Le droit des gens, mais c'est le droit que nous avons de massacrer les gens en bloc ou en détail, avec des obus ou des balles, peu importe. Quant au bourreau chinois, il dit ceci, les cuirassés, les canons à tir rapide, les fusils à longue portée, les explosifs, que sais-je, tout ce qui rend la mort collective... administrative et bureaucratique, toutes les saletés de votre progrès, enfin, détruisent peu à peu nos belles traditions. Bon, il le regrette, mais c'est au nom d'un art de torturer à l'ancienne. Voyez, toutes ces déclarations vont dans le même sens. Dans le journal d'une femme de chambre, le procédé est le même. Tous les bourgeois se ressemblent. Et, au fond, ils sont capables de toutes les turpitudes. L'élément nouveau et intéressant, l'élément capital même, c'est que la satire ne touche pas simplement les maîtres, mais elle englobe leurs domestiques. Autrement dit, dans cette décomposition sociale qu'elle dénonce, la satire inclut non seulement les maîtres, mais les domestiques qui représentent ici, non pas simplement leur monde, mais métonymiquement l'opinion publique. Ils représentent la France profonde, hein, cette France lugubre, immobilisée dans ses médisances, dans ses rancœurs, dans son atmosphère ignoble. Hein, pour Mirbeau, hein, à l'évidence, en 1900, l'abjection est française. Je ne donnerai qu'un exemple de ses domestiques, c'est Rose. Son nom est une antiphrase. Il est ironique. Et elle est le visage de cette France-là. Elle est courte, elle est grosse, elle est rougeaude. Elle arbore un sourire épais, visqueux, sur des lèvres de vieille licheuse. Je cite Mirbeau, naturellement. Et la joie de Rose, c'est de répandre son stock d'infamie. Elle colporte, elle qui est une outre ambulante, des infamies sur tout le monde. Eh bien, elle est l'allégorie de la France anti-Dreyfusarde, une calomnieuse qui a la passion du déshonneur. Enfin, il y a les personnages principaux. Clara, hein, cette femme, cette Anglaise, qui jouit de la souffrance des autres. Elle représente... Dans sa cruauté, elle représente, dit Mirbeau, la nature, la vie, la mort. Il la traite très souvent comme un personnage allégorique, mais elle représente surtout l'acquiescement au mal. C'est-à-dire quelqu'un qui consent au mal et qui en est le complice. Hein, c'est celle qui fait du spectacle de la souffrance des autres une jouissance. Hein, et qui refuse qu'on la condamne. Elle refuse qu'on dise d'elle qu'elle est un monstre. Elle voit dans sa monstruosité une forme supérieure, en dehors de la conception des hommes, une manière d'être un dieu. Curieuse divinité que celle-là, effectivement. Et le narrateur, à sa suite, ne peut découvrir que la monstruosité des hécatombes. Quant à Joseph, le personnage... du journal d'une femme de chambre. Il est antisémite, anti-Dreyfusard, je vous l'ai dit tout à l'heure, et
En fait, il trouve dans ses convictions, auxquelles il ne tient pas plus que ça, un moyen de satisfaire ses pulsions profondes. On le découvre quand on le voit un jour incidemment tuer un canard. Il ne se contente pas de tuer le canard pour le manger. Non, il lui enfonce lentement dans la tête une vis, en ayant soin de le faire longuement souffrir. Et il éprouve des spasmes de jouissance en lui infligeant cette souffrance. D'ailleurs, on le soupçonne d'avoir tué, après l'avoir violé et mutilé, une enfant. Crime qui restera impuni dans le roman. Donc tous ces personnages représentent évidemment à la fois le consentement au mal et, dans le cas de Joseph, une sorte de cynisme éloquent. Ce qui est le plus intéressant ici, c'est que Mirbeau rompt avec une tradition de représentation du mal qui est celle du XIXe siècle, qui est celle du Satan romantique. S'il y a du satanisme chez Joseph, il n'y a plus de romantisme. C'est un homme ordinaire. Et il me semble qu'on pourrait par anticipation lui appliquer les propos que Anna Arendt appliquait à Eichmann lorsqu'elle faisait valoir qu'il était un homme ordinaire. Joseph, c'est le triomphe de la bêtise ordinaire. Même quand il bafoue les lois, il retombe encore dans le conformisme social. Le mal descend avec lui dans l'abîme du banal. Cet abîme où s'engloutira bientôt, je songe à la formule d'Anna Arendt, la possibilité de la morale et de la rationalité. Je terminerai en une minute ou une minute et demie, en disant un dernier mot des deux personnages narrateurs. Ce qui est intéressant dans ces deux romans, c'est qu'aucun des narrateurs n'est positif. Dans Le Jardin des Supplices, c'est un personnage corrompu, cynique, qui devient le complice, qui acquiesce à l'initiation qu'il reçoit de Clara. Quant à Célestine, elle soupçonne Joseph d'avoir tué la petite Claire et elle ne l'en aime que davantage. L'un et l'autre sont complices du mal. Ce qui est très curieux, c'est que Mirbeau a choisi de représenter dans ses romans deux personnages qui ne sont pas vertueux, mais qui sont des complices. Alors comment comprendre cela ? Je risquerai pour finir une explication qui est que Mirbeau lui-même, comme tant d'autres, avait, avant de s'engager en faveur de Zola, de Dreyfus, aux côtés de Zola, il avait lui-même cédé à l'antisémitisme. Lorsqu'il rédigeait ses grimaces, pamphlets anti-républicains, il avait stigmatisé les Juifs venu, selon lui, de tous les coins d'Orient pour se ruer, je cite, à la curée française et centraliser tous les pouvoirs entre leurs doigts, naturellement âpres et crochus. Alors, est-ce cette compromission-là, ce crime à ses propres yeux, que Mirbeau expie dans son engagement en faveur de Dreyfus ? Sans aller jusqu'à dire, comme l'a fait un critique, qu'il n'y a peut-être pas de réelle contradiction entre le Mirbeau des grimaces et celui de l'affaire, on peut se demander si la satire, genre qui trahit souvent un syndrome mimétique, qui mêle le rejet de sa cible au sentiment coupable d'une profonde ressemblance, on peut donc se demander si ça n'est pas une sorte d'aveu qui lie le satiriste à l'objet dont il travaille, par ailleurs, à se dissocier avec virulence. La haine de Mirbeau pour les antisémites, les sarcasmes dont il se plaît à les accabler, peuvent sembler à une certaine profondeur psychique tournée contre lui-même. Ils sont peut-être l'indice de sa culpabilité personnelle, projetée sur une figure répulsive. Et ces deux romans satiriques sont ironiques peut-être plus qu'on ne le croit. Mirbeau, qui a reconnu en lui comme tel le mal absolu de l'antisémitisme, fait des anti-Dreyfusards
le repoussoir de son idéal de justice et de liberté, mais aussi le fantasme spectral qui menace constamment de reprendre de l'intérieur ce juste, conscient de ses failles et de ses faiblesses, et sachant qu'il est moins facile de s'arracher à ce qu'il appelle lui-même l'affreuse joie de la mort que ne le prétendent parfois les donneurs de leçons du haut de leur vertu. Thank you.